Les super mécanimaux partent en mission. Les super mécanimaux, oui, ensemble on peut tout faire. Rex, mécanique costaud. Licorne, mécanique volante. Komodo, mécanique tricolore. Petite souris, mécanique rapide. Sasquatch, mécanique extensible. Les super mécanimaux, mécanique, faut pas s'en faire. Ensemble, on sait vraiment tout faire. Ensemble, on sait vraiment tout faire. L'île des singes. Les super mécanimaux partent en mission. Bonjour les mécanimaux. Bonjour petite chouette de l'île. J'ai une mission très importante pour vous. Génial. Votre destination est l'île des singes. Oh oui, les singes sont si amusants. Les singes vivent tout en haut, au sommet de la montagne des singes. Votre mission est de leur apporter leur banane spéciale qui se trouve tout en bas, au pied de la montagne. On doit apporter une banane à des singes? Ça n'a pas l'air d'une mission très importante. Oh, mais tu risques d'être étonné. Les bananes de l'île des singes sont très difficiles à déplacer. Aucun problème pour les super mécanimaux. Oh, j'oubliais, ce n'est pas tout. Faites bien attention en grimpant sur la montagne des singes. Elle est remplie de surprises qui la rendent difficile à escalader. Mécanie, en êtes-vous capable? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire. On est parti. On y va. En avant. Nous sommes arrivés sur l'île des singes. Est-ce que vous voyez la fameuse banane? Elle? Je pense que c'est elle. Waouh! Maintenant je comprends pourquoi les singes ne peuvent pas transporter tout seuls la banane jusqu'au sommet. Et pourquoi petite chouette de l'île a dit qu'elle serait difficile à déplacer? C'est la plus grosse banane que j'ai jamais vue. Commençons à la déplacer. Le puissant Sasquatch va s'en occuper. Sasquatch, fais attention! Les bananes de l'île des singes sont très lourdes et très, très glissantes! Komodo, fais attention! Les bananes de l'île des singes sont très lourdes et très, très glissantes! On en apprend tous les jours! Cette banane est trop lourde pour qu'on la déplace! Même si on s'y mettait tous! On n'est pas... assez fort. C'est impossible. Rien n'est impossible pour les super mécanimaux. C'est un travail pour... Rex. Mécanique costaud. Vas-y, Rex, fonce! J'adore regarder Rex soulever des choses. Il est super fort! Aussi fort qu'un tyrannosaure en titane! Escaladons cette montagne! Petite chouette de l'île nous a prévenu que la montagne des sages était remplie de surprises. Vous devez tous faire très attention, ne touchez à rien! Oh, oh, quelle jolie fleur! Je me demande si elles sentent bon. Sasquatch, attention, les tournesols de l'île peuvent être très taquins. Quoi? Oh! Komodo, ça va sûrement t'intéresser. Les tournesols de l'île peuvent être très taquins. Mais qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Hé, hey, ça chatouille. Arrête ça. Je suis très chatouillée.
Partez en retraite! Comment allons-nous faire pour passer à côté de ces tournesols farceurs? Ils n'arrêtent pas de nous chatouiller! Ça va être plutôt difficile. Quand il fait soleil, les tournesols de l'île deviennent particulièrement taquins. Et comme vous voyez, aujourd'hui le soleil brille très fort. C'est vrai qu'il brille très fort. Dans ce cas, on va être obligé d'attendre ce soir après son coucher. Mais si on fait ça, il fera nuit et on ne trouvera jamais le chemin jusqu'au sommet de la montagne. Je sais ce qu'on doit faire. Il faut qu'on fasse disparaître le soleil. Sasquatch, tu es brillant. Ah oui? Je veux dire, ah oui. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu as dit qu'il faudrait que le soleil disparaisse et je connais le moyen de faire ça, même en plein milieu de la journée. C'est un travail pour... Licorne! Mécanie volante! Regardez, Licorne se sert de sa corne magique pour pousser des nuages devant le soleil. Bientôt, le soleil va cesser de briller. Les nuages vont bloquer le soleil et comme ça, nous ne le verrons plus. Il fait plus sombre. Oui, les tournesols se referment. Et cessent de nous chatouiller. Beau travail, Licorne. Super, Mécanimo, en avant. J'ai peut-être rassemblé trop de nuages. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est le tonnerre. Abritons-nous! Venez vite! Oh, ce sont de tout petits champignons mignons. Oh, 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 oh. Oh non! Et un énorme champignon! C'est fascinant. Ces champignons peuvent devenir énormes. Toutefois, ce spécimen est particulièrement gigantesque. Comment est-ce que je vais descendre de cet énorme champignon? Ces champignons sont super élastiques. J'ai l'impression d'être sur un trampoline. Il ne manque qu'un toboggan pour avoir un terrain de jeu. Sasquatch, tu as encore une brillante idée. Ah oui? Je veux dire, ah oui. C'est quoi ma brillante idée? Si on avait un toboggan qui allait du chapeau du champignon jusqu'au sol, Rex pourrait descendre en glissant. Mais, Komodo, on n'a pas de toboggan. Mais je crois qu'on a quelque chose qui peut s'étirer du sol jusqu'au chapeau du champignon. Une seconde, je viens d'avoir une autre brillante idée. Je vais m'étirer jusqu'en haut du champignon et Rex glissera sur moi. C'est un génie. Place au puissant Sasquatch. Mécanie extensible. Comme un grand singe en caoutchouc. Étire-toi encore, Sasquatch. Vas-y, tu y es presque. Je peux m'étirer encore plus loin. Champignon, me voilà. Oui, il a réussi. Beau travail, Sasquatch. Allez, c'est l'heure de la glissade. Ouais. Ça chatouille. Travail, Sasquatch. Maintenant, il ne reste plus qu'à transporter cette énorme banane jusqu'au sommet de la montagne des singes. On y est. C'est le sommet de la montagne des singes. Voilà les singes de l'île. Ils ont l'air très contents de nous voir. Nous et leurs bananes. Nous avons apporté leurs bananes aux singes de la montagne. Super, Mécanimo, mission accomplie. Je me demande ce que les singes vont faire de cette énorme banane. Mais la manger?
Elle n'a pas l'air très appétissante. Elle est caoutchouteuse, cette banane. Les sages s'en servent pour descendre la pente. Oh non! Je viens de penser à quelque chose. Une fois que les singes seront arrivés au bas de la pente, ils voudront qu'on remonte leurs bananes jusqu'au sommet de la montagne pour eux. Mécani, en sommes-nous capables? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire.